sans défiance. On va continuer les missions parallèles. Il en reste 3 à faire dans la zone. On va se la faire vite fait bien fait, j'espère. Et voilà, comme ça moi ça sera. Ça te fait être débarrassé. Oh 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 oh, il y a un secret. Ah, elle a disparu. Elle est fort là. Si j'ai bonne mémoire. Espèce de croix là où je ne sais pas trop c'est quoi. Faire croiser, enfin vous verrez quand je vais m'en approcher, voilà. Il y a quelques caisses dissimulées ici et là. Et quand vous les récoltez tous, vous avez des pots de vin de la famille Tar. Et il y en a 5 par exemple là. Encore à récupérer, enfin maintenant 4. Et donc je sais plus trop ce que ça donne, mais ça donne des trucs. Donc n'hésitez pas quand vous voyez ça sur la carte, allez-y, y jetez un œil. Je vois que certains d'autres se posent la question. Les emballes. Donc on est parti. À bord de la Dodge. On va commencer par le commencement. Il n'y a pas vraiment de début ni de fin, mais bon, j'ai. Le topi numéro 4, c'est gênant, j'ai même pas fait le 2. Alors on va faire elle. J'ai 2 ou 3 trucs à régler, mais ça dépasse le cadre de l'autorité de la République de la Terre. On a déchiffré les données du SOS. Il a apparemment été lancé il y a des années de ça par un médecin d'Utopia. On dirait que les choses ont vraiment mal tourné après la terraformation. Apparemment, tous les soldats ont sombré dans la démence en raison des mutations dont ils souffraient. Dans le message, le Toubib dit qu'il a découvert un remède contre la mutation, mais il était peut-être taré, lui aussi. En tout cas, la République de la Terre tient à en avoir le cœur net. J'ai envoyé des hommes, mais on a perdu contact, alors je ne tiens pas à en envoyer d'autres. Trouvez-moi de quoi occuper les huiles, et vous aurez votre nono aussi. Ok. Donc une maladie fait à faire âge, ça quelques années. Et apparemment il y a un remède, enfin un refait surface, mais on sait qu'il y a un remède. Alors j'ai appuyé encore une fois sur lui. Ah, oui, c'est bon. Il me faut quelqu'un avec votre niveau de d'imprudence, disons. On y va, j'ai identifié l'objectif. Mais c'est parti. Ouais. C'est bon. J'avais le fil du casque qui me gênait un petit peu. J'essaie de baisser un peu pour lire, c'est pas évident. Avec le bruit de fond, dans les oreilles. J'ai mis les dispositions sur la carte. Allons les activer. Foiré. Moi je serais fini si je m'arrête sur le chemin avec. Buter tous les mobs. On va quand même se faire celui-là, là. Je l'ai entamé. Tu vas la prendre, ouais. Voilà. De toute façon, c'est là. Je voyais ça juste un petit peu à côté, en fait. Ok. Récupérer les infos relatives au traitement contre la mutation. Il y a des soldats mutants dans les parages. On a déjà vu. J'ai mis les dispositifs sur la carte. Allons les activer. Je voulais monter en haut, mais tant pis. Il y a moyen de. On va se dépêcher de les fumer. Hop. Comme d'habitude, qu'est-ce que tu veux? Oh. Faut pas que je bug là. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est fait. Continuons de lancer. Hein.
Puis après, je trouve la partie 2 avant quand même, ou la partie 3 déjà. Au moins. Donc on va faire aller qui est sur ma gauche. Les infos que vous avez récupérées sur le Toubib contenaient en réalité un remède contre les mutations. Mais le docteur était trop dans un état second pour comprendre. Mon équipe de communication, ouais, oublié d'eux, a dégoté des codes d'entrée pour les bunkers Delta. Les données concernant le traitement contre les mutations se trouvent peut-être dans l'un des deux. Alors faites un tour sur place et voyez si les codes fonctionnent. On va les transmettre à votre ego. J'ai mis notre objectif sur la carte. On y va. Où est-ce que c'est? 400 mètres à prendre la voiture. Ça me rappelle le tout premier. Première mission, enfin, c'est plus ou moins dans la même zone. C'est encore dans les missions de début. Hein. Là, c'est enfin plus ou moins quoi. Toujours bon à prendre, bah c'est bon. Peut-être qu'il y a deux moyens de le faire, hein, des modes discrets et modes droits. Sur la carte. Allons les activer. Il faut activer cet appareil. Il y a des soldats mutants dans les parages. Bien joué. Vous les pillards, je vous êtes gonflés. On est gardé. Intéressant, hop. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'était que des scripts. Fini. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Vu qu'il reste ce horaire de fermeture et lui il vient d'apparaître, alors on va y aller.
République de la Terre a une mission à confier à un agent extérieur. D'après les rapports que je crois, ça s'active pas mal dans sous les gorges, sous les gorges, sous les gorges, les gorges sanglantes. Ça signifie que les bunkers de l'EMC ne sont pas simplement fonctionnels. Quelqu'un s'y affaire. Avant que je puisse envoyer une équipe sur place, vous allez devoir lui préparer le terrain en désactivant un certain nombre de dispositifs nécessaires au bon fonctionnement du bunker. Couper le courant et saboter le système de ventilation. Peu importe, faites le nécessaire pour nous faciliter la tâche. Ok, mission de sabotage. Moi aussi j'ai passé la sécurité s'il n'y a personne. Je suis dans le système aussi là. On y rentre. Je sais où aller. En route. Dans le mille. Mutant en provenant de l'ouest. Je détecte d'autres mutants en approche. Cible. Bon. Ça va remonter. C'est où déjà? C'est là-bas. Il faut qu'on entre dans ce terminal. Ah, un petit donjon peut-être. Ah non, je pensais qu'à parler. Parce que des fois on doit rentrer dans les espèces de gros portails là, c'est des donjons en fait. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, il me semble. Il y a un point jaune, c'est quoi? C'est l'ennemi? Ah non, c'est ça que j'ai pas vu. Désactiver le système d'alarme. Bon. Ça fait. Ça
arrêter de sortir partout là. On y arrive. Et voilà, dernier pause. À mon avis. Vous avez rendu un sacré service à la République. Il est tout seul. Avec un peu que des bières. Et ben voilà. Direction où maintenant? Je vois pas où qu'il est l'autre là. Utopie 2 et 3. Je sais même pas si je les ai fait. J'ai dû les faire hein, parce que je le vois pas. Après j'ai pas de mission ici à part une là, qui fait partie de la saison 2. Après c'est que les défis ici pour le moment. Et là c'est pareil. J'ai quasiment fini toutes les missions secondaires après à part cette zone là. Mutation végétale, je sais pas quoi, partie 1. Truc que je connais pas, que j'ai jamais fait. Ah, c'est quoi partie 2? Meurtre à Mandera. C'est pas ça, hein. Non, c'est moi, c'est machin Utopie, je crois. Utopia et Utopie partie 4. Mais il me semble pas les avoir fait, mais sauf que je les ai fait. Hein. Donc je vais y aller. C'est à côté. 500 mètres. Non, on va les laisser tranquille. Quand même beau le jeu. Joli effet de lumière. Moi j'aime bien, c'est un petit univers que... sans... qui est pas mal. C'est des paysans quoi, on va dire. Une espèce de champignon géant. Alors, j'ai perdu le truc que... voilà, c'est dans ce sens là. Eh, on dirait un reste d'arche. C'est un peu pareil. Ça fait des donjons aussi aléatoires comme ça qui spawnent sur la carte. Donc les joueurs se rejoignent pour rentrer dedans. Je détecte des formes de vie organique qui se déplacent rapidement. Ce ne sont pas des bipèdes. Les messorans ont dû repérer. Ouais. On va les éviter. Oh. Ça fait coup de frame. Qui veut te faire des scripts? J'ai un job qui tira comme un gant. Il s'avère que Weston a mis la main sur un enregistreur de données créé par un médecin d'Utopia. Mais cette saleté est cryptée. Par chance, je sais où sont les codes de décryptage. À l'Académie de la Sérénité. Aller récupérer les codes là-bas et décrypter les données. On saura peut-être ce qui se cache derrière cette histoire d'Utopia. 3500 XP, 500 scripts, un antimoléculaire et le temps qui reste, c'est quoi ça? Certainement des informations un petit peu au niveau du background. C'est là comme, avec un petit i comme petit dossier. Donc on va accepter. Je sais où aller. En route. 250 mètres, bon, on y va quand même en voiture. D'accord. Tu les couches, je peux pas passer, là il faut du quad. C'est bon. Oh de toute façon c'est là ou quoi? Je voyais ça plus loin, mais en fait aussi c'est ici. Bon on est garé au cas. Alors ouais. Ok.
T'es où? Je pensais qu'il était mort. Il a juste fait une petite guélipette. Toi. Retombée d'arche en approche. On ne sait jamais ce qui peut s'y cacher. Il vaut mieux être prudent. Ah. Je suis dans une zone. À 400 quelques mètres. Ben, je vais finir ça d'abord. Si tu permets, tu t'es bien fait. Ah, oh, dommage. Oh, non, j'ai rien dit. Rentrez chez vous, les gars. Vous perdez votre temps. Donc, c'est où tout ça? J'ai loupé ou quoi celui qui est là? Ah, c'est là. D'accord. Et toi? Ouais, j'ai trop de trucs comme ça à faire et ça, j'espère que j'aurai le temps d'aller au moins à la fin de l'arche. Attends si tu veux. Ah, si je n'ai pas eu le temps de le faire, d'accord, ok, ok, ok. Pourtant, il me semble bien avoir appuyé jusqu'au bout. Peut-être qu'on me tirait dessus, du coup, ça n'a pas marché. Enfin, vu qu'on m'a tiré dessus plutôt. Retombée d'arche en approche. On ne sait jamais ce qui peut s'y cacher. Il vaut mieux être prudent. C'est, on y va. Et on va rappeler ça. C'est un petit donjon à se faire. Ça n'a pas l'air loin, c'est pour ça que je. C'est de faire ça là, il reste plus qu'un alors. Ça doit pas me poser de problème. On va dès qu'on est dessus, ça annule le truc, donc faut juste les tuer avant. Ok, bon c'est pas un problème. Stock la bête, il est où lui? Tiens. Bonjour. Arrête, ouais, de jouer à ça. Pas le poids. Il est équipé. Hop, hop, t'as de la chance. Voilà. Adios amigos. Voilà les données qu'il nous faut. C'est bon. Attends, faut que je récupère ces données. Ah non, c'est là-bas. Les données cryptées et la mission est conclue. Ah ouais, mais c'est vrai, j'ai cru. Non, mais c'est que j'avais complètement oublié que ça avait foiré parce qu'il m'avait tiré dessus. Ouais, ouais, ouais. Va falloir que je m'y fasse à ça. Hop. Non bon. Apparemment il y a encore un truc à faire. Comment c'est le décryptage? Je vais pas partir alors que j'ai quasiment fini la mission. On entend que ça pète là, tonnerre. C'est souvent vers l'arche, il y a plein de petits effets. Comme là je sais pas si on voit aussi par, avec la vidéo, mais comme une, voilà, une pluie météorite avec comme de. Des effets de particules, de poussière, comme s'il y avait un volcan qui avait explosé. Longtemps. C'est pas mal. Faut que je protège le décryptage, d'accord. Bon bah. Vous voyez, j'ai pas vraiment le choix, faut que je reste ici quelques temps. Des fois que les mutants arriveraient. C'est des hackers, les mutants hackers.
On s'ennuie, ils sont où là? Protégés contre quoi? Ah, il y en a là-bas. Deux ou trois même, sérieux. Ok, un deuxième. T'as un casque toi. Cette fois-ci. Un peu plus costaud. Peut-être que tout à l'heure t'en avais un aussi, mais ceux que. Les deux que j'avais tués avant, ils en avaient pas. C'est pas bien plus costaud. Voilà. C'est fait. Direction la retombée d'arche. Temps pour ça les gars. Faites attention. Bon, les deux. C'était bien ça? Ouais, c'était bien ça. Apparemment en tout cas. 3. Comment c'est pas ce qu'il y a de mieux, tant pis. On est venu là. On va finir. Ah tiens. Ok, ok. Pour revenir la maîtresse. Trop rapide pour le truc. Thank you.
que c'est. Eh, c'est une vraie retombée d'arche. Le guide en face là, à droite là, j'ai le même, ça me donne envie de le prendre aussi. Ça va changer un peu la dodge. Non, ouais, bah, c'est bon, il y a moyen d'y aller. Hop. C'est bon, c'est là d'ici. Ah ok, c'est un mini boss. Pas aussi gros que lui qu'on a vu avant, mais déjà ça va. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Ça passe pas. C'est ça, sauve-toi. Je vais anticiper vu que c'est un gros truc. Puis qu'eux aussi apparemment, ils n'aiment pas ce canon. Quand j'arrive à les toucher, bien sûr. Je fais pas mal de points de dégâts. Efficace. Ah, faut que je vise la tronche comme tout à l'heure. Voilà. Et plus c'est loin, plus ça fait de dégâts, je crois. Je crois. Ah merde. Ça doit charger. J'ai eu un petit tank pas mal. Dans le coin du visage. Ouais, c'est pareil. Ah non, là j'ai bien pris, j'ai déjà atteint les 1000. Donc là c'est... Bah, c'est alors j'avais cru comprendre l'inverse. Je vais me tromper. Son squad, était carrément défoncé. Se prendre un truc ou un ennemi. On a une barre de vie hein, sur les véhicules. Mais peuvent respawner à l'infini quoi. Il faut juste attendre entre chaque fois que vous l'appelez, vous l'attendez 30 secondes, je crois, un truc comme ça. Pour le réappeler et qu'il réapparaisse. Donc si vous le perdez, c'est rien. Vous attendez 30 secondes et vous rappelez, il sera là. Enfin même pas 30 secondes, c'est genre 10 secondes. Oh, 3000. Ça c'était beau. Je veux ma rune. Donc le meilleur joueur c'est Fritten Frida. C'est celui qu'on a dégommé le plus quoi. 196, il doit être depuis le début. Donc ben voilà. Ça s'est calmé apparemment. Il y a une charge là ou pas. Ça peut toujours servir. On va aller faire ça. Que j'arrive à finir vers l'aiguillage anglant après, sanglant plutôt. Après, je ferai celle qui est dans cette zone là. Ça devrait aller vite. Je suis arrivé par là, mais ça va être un peu dur d'y repartir. Par là, ouais. Là, j'ai touché le vent du pied, je sais pas si vous avez vu. Et elle l'a senti. Voilà l'échantillon qu'on cherche. Bravo.
J'ai dû lui mettre juste un coup, mais ça a fait pratiquement 3000 de points de dégâts. Alors. J'ai pas pris de buggy là, d'ailleurs, j'ai oublié. Ça prend une prochaine fois. J'aurais un job pour toi. Ça te dit d'aider une IG dans le besoin? Un bâtiment en ruine des environs a été colonisé par les Messorans. Ils n'étaient pas là il y a 15 jours, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une nouvelle colonie, et donc qu'il doit y avoir un paquet de chrysalides à l'intérieur. Et ça, ça peut rapporter gros. Malheureusement, les insectes ne sont pas à ma tasse de thé alors. Pas question de m'approcher de ces nangos répugnants. Okay. J'avais cru lire vite fait Mago, comme il parlait un peu de que ça valait de l'argent. Mais si vous acceptez de faire le sale boulot, je connais un acheteur. Et je suis une fille honnête, pas le genre à m'enrichir sur le dos d'un collègue. Alors je vous promets un partage équitable. 2000 XP, 200 scribes, équitable, je sais pas sûr. Et un cache mode, c'est parti. On y va, j'ai identifié l'objectif. On va se prendre notre buggy. Histoire de changer un petit peu, quoi. Le vert sapin. La fois j'ai pris le lui. Que j'ai débloqué. Enfin, le buggy d'infirmier, quoi. C'est où? D'accord, 100 mètres, ouais, ça valait pas trop le coup, tant pis. Ils sont là. On va devoir se salir les mains, alors approchez. Ah, c'est dommage, j'ai arrêté de tirer quand ils étaient tous les deux en tas. Ça aurait fait un kill double, un double kill plutôt. C'est de la bombe. Voilà, adios. En plein vol. Faut que je dégomme les œufs, non? Ou je pose des explosifs dessus? Ah non, enfin je récupère les crises des sorts, ça j'ai déjà fait ça, je me souviens il y a longtemps. Et je me souviens, c'était avec les armes que j'avais au début, c'était les messerants, bah, c'était limite les émirs redoutables quoi. Attends, une balle. Adios. J'en oublie un ou quoi? Ah non, d'accord, c'est que j'ai fait ce nid là. Il faut que je fasse l'autre nid. Au-dessus, d'accord. Comment je peux monter par l'intérieur, ouais. Hop. Et on y est. Tu vas bientôt pouvoir te faire dorer la pilule si tu continues de te démerder comme ça. J'ai un quart de million de scripts. J'économise parce que vu que les armes on les trouve partout, je n'en ai jamais acheté. On va dire à part des véhicules, j'ai rien acheté. Et si je crois que j'ai acheté le casque de mécanicien, genre un truc comme ça, un cosmétique. Lui que j'ai pris avec. Enfin, avec ce que je me sers pour réparer quoi. Les armures des autres, on va dire le mode médic. On va tenter un truc, c'est bon, c'est passé. Hop. Allez, vite fait. La retombée d'arche là-bas. C'est pas très loin. Un vol d'oiseau, du moins. On va essayer de reproduire à peu près pareil, mais ça va être un peu dur. Il va falloir que je coupe sur la droite.
j'aime bien. Ça booste, ça donne du boost au cas où. Hein. Donc c'est sympa. Ça fait des. On peut un peu jouer au bowling et en plus on gagne un peu de tir-bout. Je roule comme un bourre, hein. Je suis désolé, c'est que là vraiment c'est arrivé assez vite. Quoi. Voilà. Quand c'est en mode mission, quand ça va. Mais les arches, on sait jamais combien de temps ça reste. C'est pour être rendu à faire la moitié du chemin pour qu'elles disparaissent. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir surtout. Parce que c'est les coins de spawn. Bah, comme on a pu voir tout à l'heure, mais c'est là que vous apparaissent les messerins. Messerins bébés, hein, parce qu'après les gros, ils sortent de nulle part. Loupé toi. Ok, là eux sont un peu plus chiants et un peu plus costauds aussi. Arrête de bouger. Voilà. Eux c'est des moyens, ça on va dire, c'est les sont adolescents. Les géants, je pense en avoir déjà vu, fait voir, enfin montré en vidéo, il me semble. Bon, ils sont deux à trois fois plus grands que ceux-là. Là. Fait pour rien, je te frappe une deuxième fois. Ceux qui font les nids, comme vous avez pu voir, n'ont pas évité d'en avoir 15 000 à tuer. Il vaut mieux se débarrasser des nids en priorité. Pas très coriace comme vous avez vu, mais parfois ils peuvent vous surprendre quand ils sont plusieurs. 6676 XP, 111 scripts, et voilà, toujours ça. Encore un boost ego, enfin j'ai gagné encore un level. Ça va assez vite. Donc bah, j'ai fini la zone que je voulais faire. Quoique non, pas vraiment. Elle est toujours elle est plus à proximité des démons de fer. Ah non, bah non, c'est vrai, c'est là que c'est pour la prochaine vidéo ça. Normalement là, dans cette vidéo là, si je me trompe pas, j'ai fini. Ouais, j'ai bien fini. Cette zone. Donc la prochaine, ça sera cette zone et ensuite vu que j'aurai plus de mission avec des points d'exclamation, ça sera bah, en petit quoi, l'émission parallèle, ça sera l'émission principale ici, 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 on verra ça. Donc ce sera pour dans deux épisodes j'imagine à peu près. Le prochain coup j'éviterai d'aller voir les arches pour éviter de perdre du temps et de mettre plus de temps du coup à finir ce que j'ai à finir. Et je suis où moi déjà? Quoi qu'il en soit, je vais aller là, c'est pas très loin, ça va. Et je vais couper là, ici. Ah, j'en ai pas eu un seul, juste un peu poussé, mais ça m'a enlevé de vie. J'irai faire un tour voir au marchand ou véhicule, voir s'il n'y a pas des nouveaux. À mon avis, ça devrait rajouter de nouveaux véhicules. J'irai m'en prendre un ou deux, voir s'il y a. Parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs catégories de buggy aussi. On verra bien.
C'est pas une priorité pour le moment. Là, j'ai déjà suffisamment de véhicules, mais c'est histoire de varier un peu. Ok, bien sûr, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bon jeu. Allez, ciao.